Hey, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Justice, joueur Shadow of the Erdtree. Oui, et non, c'est pas ça que tu veux faire, c'est ça, pardon. Hop, clac, c'est bon. On va par là. C'est parti. Et alors du coup, attends, parce qu'il me faut deux pour m'améliorer la prochaine fois, et là j'ai combien de machins? J'ai zéro machin. Esquille de l'arbre occulte, bien sûr, pardon. Peut parler avec le langage du jeu. Quand est-ce qu'il va y avoir un truc vraiment sale, un truc vraiment méchant, vraiment mesquin, un truc à la FromSoft? Hein? Pour l'instant, c'est un peu trop gentil. Même le colosse, quoi, c'était mignonnet. Le petit boss dans la petite sépulture, c'était vraiment. Allez, ça va, on te remet à la page, vas-y. Maintenant, tu peux jouer, et alors? Quand est-ce qu'on tombe sur un boss alors qu'on n'est pas du tout prêt? Un truc vraiment affreux. Elle est où là, la Malenia du DLC? Non, je veux pas savoir. Ah, je me la reçue faite. Malenia, dans. Bah, avant de lancer ça, bien sûr. Dans le New Game Plus. Même en l'ayant fait plusieurs fois, tout seul avec Nico et tout, c'est à chaque fois un vrai challenge. Hein. Fâche. À chaque fois, je mets au moins une demi-heure à réapprendre comment esquiver sa son espèce de coup. Elle enchaîne comme une folle, là. Roulade derrière, diagonale bas gauche. Toujours relou, toujours potentiellement raté. Hein. Je n'ai toujours pas de méthode certaine pour l'esquiver. Et bah, ça te bute quand tu rates, évidemment. Et la deuxième phase, c'est pour moi, c'est juste est-ce qu'elle fait les bonnes attaques que je sais esquiver, est-ce que je la tue avant qu'elle me tue. Après, grâce à Tiché, là, de la lame noire, des couteaux noirs, pardon, heureusement, ça annule un peu sa capacité de soin. Donc même quand je me fais tataner, ça se fait, mais alors, vraiment un boss trop cool, mais vraiment atrocement dur, quoi. Pour des, enfin, plutôt bonnes raisons quand même, hein, parce que. Enfin, sa capacité de soin, c'est un peu affreux, mais. Je vais renoncer à une partie de ma chair, merci. Oui. Hansbach. On va pas être copains, toi et moi. Ok. Là, je suis en train de te planter les boules, hein. Je suis désolé, il y a un petit bug de collision, mais je pouvais pas m'empêcher de le voir. Oui. If you discover any more crosses, be certain to tell me. I presume you too. Just what kind of. Oui. If you be certain, I presume. Très bien. Donc 6, ça nous fera niveau 3, quoi. Très bien. Hello there. T'es Alexander, toi. We were together for Mikola the Kind. Many things we have found. C'est qui nous? C'est toi et ton pot, c'est ça? T'es un marchand. Alors, foi anti-magie. Bah écoute, considérablement les dégâts de feu, ça semble être intéressant. On se rappellera que tu es là, toi. J'ai pas vu ce qu'on pouvait fabriquer avec tous ces bidules qu'on a chopés pour l'instant. Des notes pour trouver des petits secrets, on aime bien. Les arcs. Pff, je devrais utiliser mes arcs, je sais pas combien j'en ai 28. Je devrais les utiliser, mais bon. Ok. La nuée glaneuse. C'est vous du coup? C'est vous qui glanez des trucs? D'accord. Très bien. T'es rigolo toi? Poète. Du coup, on n'a qu'une esquille, donc ça sert à rien d'interagir avec ça. Et. Oh, ça va être fermé cette affaire. Hein. Alors attends, du coup, si je regarde ma petite carte, qui ne ressemble à rien. Je dirais bien que là, je suis à la croix qui est au milieu, et qu'il y en a donc une à gauche de cette grande porte. Allons voir.
Est-ce qu'il a compris la carte, le monsieur? Donc, si je trouve celle-là, en fait, j'ai déjà trouvé les trois croix qu'il y a sur cette carte, et donc c'est un peu nul, mais... pas du tout. Crotte. J'ai pas compris la carte. Oh. C'est quoi ça là-bas? Oh. Bah zut, je pensais avoir compris la carte. J'avoue que la perspective aurait dû me mettre sur la voie que c'était pas ça. Je ne comprends pas cette carte. Je ne comprends pas cette carte. Et ça... Si vous tombez sur une source spirituelle scellée, cherchez un tas de pierres à proximité et renversez-les pour briser le sceau. Ok, les sources spirituelles scellées, c'est les espèces de tours de magie, là. Non, c'est vous qui donnez les indices. D'accord, la nuée glaneuse. Très bien. Et donc ça... Toc toc. C'est nous les livreurs de pizza. Et ça s'ouvre. Très bien. Très bien. Ça me va. Pas de seau à aller chercher, pas de machin comme ça, juste ça s'ouvre quoi. Pourquoi pas? Ah, pas de torrent. Ah non! Pardon. C'est un scorpion. Ok, c'était un scorpion. Il y a d'autres machins affreux qui vont tomber du plafond comme ça parce que ça avait trop de pattes. J'ai pas envie d'y aller du coup. Ah merde, moi qui pensais mieux gérer l'arachnophobie, ça m'a quand même hérissé le poil, je me sens pas bien. Allez, faut s'exposer, y a pas de secret, on y va. Est-ce qu'il y aura plein de machins au plafond comme dans Bloodborne? Ah. Allez, c'est pas grave, c'est pas des araignées après tout. Voilà, la purification sacrée, il y a que ça devrait. Merci. Allez. Ok. Ah, du coup, j'arrête pas de regarder au plafond parce que d'avoir vu ce gros machin là, ça m'a mis pas bien là. Je suis pas dans un bon état d'esprit. Je suis en train de regarder partout. Ah, je les vois. Très bien. C'est pas des scorpions en fait, hein. Ça me gratte de partout. Je me sens trop mal, au secours. Non. Je pensais vraiment que ça allait mieux. Il n'y avait pas d'araignée dans Bloodborne, dans Elden Ring. Il n'y avait pas d'araignée en fait. Il y avait les mains, mais les mains c'était pas pareil quoi. Je m'attends à tout moment qu'il y a un gros machin qui tombe avec plein de pattes. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Faut regarder par terre pour voir des trucs qui grouillent. Faut regarder au plafond pour voir s'il n'y a pas des trucs qui vont te tomber dessus pour pas que tu sursautes. Voilà. Donc toi, on te voit. Mais pourquoi des scorpions avec des aussi grandes pattes dégueulasses, s'il vous plaît? Poser pour reprendre mes esprits, c'est vrai. Mais il faut avancer. Je refuse de reculer devant ce machin. C'est rien. C'est un tas de pixels dans un jeu. Tout va bien. On y va. C'est juste un peu trop gros pour être écrasé avec la chaussure. Je t'ai vu. Voilà, je te vois. T'es pas beau, mais ça va. Hop. Clac. Voilà. Il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit. C'est juste un bruit, tout va bien. C'est moi qui fais bouger les pots. Très bien. Tout va bien. Ok, on a passé le truc. Crève, pour la peine. Oh non.
On le savait qu'il y aurait des araignées. Le mec était couvert de toile d'araignée. C'était une annonce, quoi. Les gens qui ont peur de ça, ils voient le mec couvert de toile d'araignée, ils savent. Ils savent. C'était le petit. La petite alerte arachnophobie. Tout va bien. Allez. On n'est pas à l'abri qu'il y en ait d'autres, mais c'est pas grave. On a vu ce que c'était maintenant. Hein. On n'en est pas mort. Tout va bien. Ah, notre premier vrai donge avec des portes fermées et tout. C'est parti. Faudrait que j'aille explorer le reste de ce petit temple, même si j'ai d'évidence pas envie. Il faut le faire. Et on va le faire. On va se prouver que ça va bien se passer. On a survécu au donjon Calice de Bloodborne, on va survivre à ça. Il y avait littéralement un truc qui invoquait des araignées en boucle et on y a survécu. Hein. On a juste bondi, couru partout, fait tomber plein d'araignées autour de nous. J'adore regarder le clip de cette séquence. Je regarde de temps en temps en me disant « Ah, quel chemin parcouru, maintenant j'ai moins peur. » J'ai moins peur, c'est vrai. T'as vu? Juste un peu couiné, ça m'a un peu hérissé le poil, mais on y va. Ça va. Alors je l'ai déjà dit, mais je sais plus à qui. Peut-être c'était en vidéo, peut-être pas. Mais mais le fait d'avoir fait ces donjons Calice de Bloodborne en vidéo avec toutes ces araignées affreuses, clairement je pense que j'aurais pas été en vidéo, j'aurais posé ma manette, j'aurais... Je sais pas, trouvé un moyen de quitter le donjon Calice, refait une sauvegarde, jamais y retourner, enfin voilà, j'aurais laissé tomber quoi. Et le fait de l'avoir fait en vidéo, du coup de quelque part pas être seul et d'avoir un peu le regard des autres, tu vois, tu te dis non mais tiens bon, il y a quand même des gens qui regardent et tout. En fait, ça l'a fait quoi. Ça m'a poussé à poursuivre le truc. Même si j'étais vraiment pas bien. Et je crois que c'est de là, ça a été vraiment un déclic de là de me dire, mais en fait, du coup, au pire, tu te sens pas bien. C'est pas grave. Bon, d'évidence, le fait que ce soit dans un jeu vidéo et pas une vraie araignée, ça m'a beaucoup aidé aussi, mais c'est pas pour rien qu'on fait de l'exposition avec des trucs en VR, tu vois. Mais ouais, bref, tout ça pour ceux qui ont pas de grosses peurs viscérales, voire de phobies, ça parle peut-être pas, tout ça, ça semble ridicule, mais... En tout cas... Si l'existence de Rock Justice m'a permis un truc, c'est ça du coup, donc c'est vachement bien pour moi. On parie qu'il y a un machin avec plein de bras qui sort du sol là. Non, mais pas loin. Ah, je pensais à cet ennemi affreux d'Elden Ring. Qui est vraiment dur en plus, beaucoup de vie, empoisonne, enfin vraiment, vraiment pas cool. A des attaques très dures à prévoir parce qu'il a des mouvements complètement erratiques. Et du coup, t'étais juste, ah, t'étais juste caché derrière la texture, quoi, d'accord. Il y a même pas de porte ou rien. C'est marrant, ça me fait vachement penser à Bloodborne pour le coup. Cette petite zone là. Il y avait pas trop ça dans Elden Ring, des endroits très exigus mais en extérieur. Alors que dans Bloodborne, la ville est, enfin à la fois très verticale mais l'exploration est orientale, mais voilà, t'as ces grands bâtiments et t'es dans des petites zones encaissées comme ça. Ça me fait penser à ça. Bon, l'architecture est pas du tout la même. Bien sûr. Pardon. Ça m'a surpris. Moi aussi j'ai des projectiles, les gars. Non, c'est là-haut que je voulais viser. Il veut plus viser celui-là, du coup. C'est pas grave, on va tuer lui. Coucou. Ah, t'enchaînes. Coquinou. Non, ma panique à un moment, a priori j'ai utilisé le pad pour faire vers le bas, je ne sais pas pourquoi. Ah, vous. À un moment j'ai hésité à transformer ce perso en un perso de foudre, vraiment. Ah, ça marche pas. J'ai reculé.
Ça va, mon projectile est plus rapide que le tien. Ah, 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 bah moi c'est la foudre, mec. C'est pas un petit tourbillon sacré de mêleux. Voilà. La foudre de dragon ancien, quoi. C'est pas rien. J'espère qu'il y aura des dragons dans ce DLC. Hein. On espère. Hein. Des gros dragons. C'est cool qu'ils donnent des pierres de bas niveau. J'avais très peur qu'on se retrouve bloqué parce qu'on n'a pas les matériaux pour améliorer les armes. Donc d'évidence, ce sera les mêmes matériaux que dans le jeu de base. Et on te redonne des trucs de bas niveau, ce qui est quand même cool parce que moi, actuellement, je crois que je peux mettre une arme lambda à niveau 25. Enfin non, je peux mettre 4. C'est 3 niveaux à chaque fois. Hein. Ouais, donc je peux mettre 4 armes lambda à niveau 25 et je peux mettre que... Si, maintenant, parce qu'on a chopé... Non, c'est bon. Si, parce qu'on a chopé celle-là, maintenant, je peux pas mettre 4 armes spéciales niveau 20 aussi. Niveau 10, pardon. Niveau 10. Donc ça va, on a de quoi voir venir. Sachant qu'on essaiera, autant que possible, de garder notre archétype fois dex sur le DLC. Comme ça, je pourrais râler quand on chope des armes cool en disant « Ah, mais c'est pas pour moi !» Youhou! Allez, monsieur, vous avez trop de vie en fait. Comme ça. Bon, pour l'instant, c'est pas une promenade non plus, mais ça va. Hein. Je m'attendais à plus dur. Dit-il avant de tomber sur le boss de cette zone, on va passer 3 heures. Et à partir de là, tous les boss sont plus durs que Malenia. Tu vas regretter. Tu vas regretter, Juju. D'un côté, j'espère. De l'autre, j'espère pas. Je sais pas, on a toujours envie d'être tiré vers le haut. Hein. On a envie d'avoir des trucs de plus en plus poussés, quoi. Mais, Et globalement, c'est ce que j'avais dit sur le DLC de Bloodborne. C'était « Ah, mais c'est DLC FromSoft qui sont toujours de la surenchère, blablabla. Bla, » bla, bla, bla. Moi, je le ferai pas pour Dark Souls 3 et je l'ai pas fait pour Dark Souls 3. Parce que j'en ai marre que la vraie histoire et les meilleurs boss et les meilleures armes, elles soient cachées dans les DLC. C'est pas cool, c'est pas bien. Bon, pour Elden Ring, je me suis pas posé une seule seconde la question de ne pas le faire. Hein. Quand ça a été annoncé, on a déjà passé tellement de temps sur le jeu avec Nicolas Chimé. Évidemment, on attend que ça, quoi. On attend que ça. Et on a le droit de changer d'avis, hein. Après, parce que je crois que ça avait été dit tôt, peut-être que moi j'avais en tête, et heureusement que ça s'est confirmé comme ça, que ce serait un gros truc, quoi. Ce serait pas la petite zone en plus des DLC de Dark Souls. Mais bon, un DLC pour un monde ouvert, c'était forcément un gros machin, quoi. Enfin, gros. On va voir. Après, ça a été annoncé quand même comme un gros truc. Donc. Allez, descendons dans les profondeurs. Pif. Bien rouillé. Même pas besoin d'utiliser mes deux épées pour vous. Il y a un peu trop de cadavres ici, hein. Et c'est tout, ok, donc ça c'est pour revenir plus tard. Mais où est-ce que je vais du coup là? J'avais compris les aiguilles volantes sans que t'aies besoin de détailler à Baygap, etc. Pour ta phobie. Manana a la même. Pour les guêpes, spécifiquement. Mais du coup, quand elle voit une abeille, elle est en PLS parce que peut-être c'est une guêpe. Elle voit une mouche à miel, c'est jaune et noir. Peut-être c'est une guêpe. Enfin, ouais, la phobie, quoi. Aucune logique. Aucun raisonnement possible. Enfin, la base du truc, quoi. Bizarre cet arbre. Ok. Mur illusoire. Ah ouais, Juju, oublie pas. Peut-être dans le DLC, ils ont mis des murs illusoires et des Decepticoffres. Il n'y en avait pas dans Elden Ring, mais. Sait-on jamais, hein. Quoi qu'il arrive, ça te fait peur. Bah oui, oui, je comprends. Je comprends, je comprends. Dès que t'en vois, tu paniques. Ah ouais, donc les fourmis volantes sous terre, là, ça devait être dur dans Elden Ring. On a été là-haut. J'ai été là-haut, il y avait rien. Hein. Ah mince, on est kiblo. Ah, il avait pas vu la porte. Il y a de la lumière pourtant. Je me sens pas bien de tuer tous ces petits mecs qui font rien là.
Ah, premier backstab du DLC, voilà, ça m'aura mis un peu de temps, mais il est là, il est là. Corne argentée fragile. Très bien. Des os, mec. Petite grâce, très bien, très bien. On est content de trouver les petites grâces, ça veut dire c'est bon, tu progresses correctement, vas-y, continue. Et ben on continue. Ah, j'ai pas du tout checké l'encodage pour le niveau de son du jeu. Dans mes oreilles, ça a l'air bon par rapport à ce comment je règle d'habitude, donc je me suis dit que ça allait, mais c'est peut-être un peu faiblard. Oh, tout est verrouillé. Ah, ah, on me la fait pas. Je reconnais un petit passage secret quand j'en vois. Dit-il après avoir zappé 5 passages secrets dans la zone, bien sûr. On peut faire ça, on peut faire ça. Un truc qui me tombe dessus, non, d'accord. Petite pierre de forge sombre 4, très bien. Après, toutes les pierres de forge que je vais trouver ne me servent à rien. Si. Donc l'objectif, c'est de choper 2 comme ça et 2 comme ça. Le reste, on s'en fout. Tant qu'on n'a pas d'autres pierres de forge 10, les autres ne servent à rien. C'est tout. C'est tout. Oh bah non, c'est vraiment tout. Je pouvais pas sauter un autre toit. Bon, d'accord. Ok, bah ok. Bah, pierre de forge sombre alors. J'avoue que c'est un peu faible comme récompense là. Non yeah. Ok, on pouvait passer par là, c'était peut-être un peu plus simple. Très bien, très bien, très bien. Ça ne sert à rien de tomber là. Tout moment, quand on est sur un toit dans un jeu FromSoft, je m'attends à ce qu'il y ait une gargouille qui descende. Petite réviviscence des gargouilles. Ben. C'est mignonné, ce petit pierre de forge sombre. Ça va pas trop nous servir là tout de suite, mais... Ils peuvent pas nous mettre une esquille d'arbre occulte à chaque coin de rue hein, non plus, ce serait trop facile. Ah bah la grâce c'est bon, c'était là, ok. Allez, on monte. En avant. Bonjour. Petit test. Ah, t'es un costaud hein. J'étais sûr que t'enchaînais. Ah, t'enchaînes jusqu'au bout. Tu nous as loupé. Ouf. Eh mais... Allez, toi tu te prends... On se prend ton combo, ça doit bien piquer. Épée de guerrier cornu. Homme de guerrier cornu. Ok. C'est pas trop lourd. Ça protège pas très bien lui. Mais c'est classe. Permettant à ces gardiens de la tour d'invoquer une divinité. L'invocation divine amplifie la force de son porteur mais rend la bénédiction de leur monde écœurante, réduisant ainsi la puissance des fioles sacrées. Affecte la focalisation. Alors c'est quand même un chapeau qui donne 5 de force, donc c'est pas rien. Ah oui, donc du coup robustesse... Ah non, pardon, c'est quasi nul comme amélioration. C'est quoi la focalisation déjà dans le jeu? Ah, ça baisse la focalisation du coup, d'accord. Ok, 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 ok. Invoquer une divinité... Plus de force. Ok, donc 5 de force que tu payes par des fioles qui sont moins bonnes. Bah non merci du coup. On a pas besoin de ça. Et l'épée, elle est... Ça doit être une épée droite. Ils auraient pas pu nous les mettre à la fin les armes du DLC. Je la vois pas. C'était pas un espadon. C'était une épée courbe. C'était une épée courbe. Donc elle est pas là, forcément. Épée courbée, voilà. Tac, 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 tac. Là. Donc elles seront pas à la fin. Relou.
Gardien de la tour, grâce à l'enchevêtrement des cornes décoratives dont elle est ornée, cette lame peut servir d'instrument pour l'invocation des cornes. Appel des cornes vous fait apparaître un enchevêtrement de cornes. Transpercez ensuite le sol pour générer des pointes. Ok. J'ai même pas regardé avec quoi ça se... Eh, c'est l'arme de Dex. Non, pardon. Ça, c'est mon épée actuelle, excusez-moi. La fausse joie. Oh, crotte. C'est quand même une arme de Dex. Mais eux en foi. Fais voir comment ça marche, c'est pas interdit de regarder. Ok. Ok, c'est ce genre d'arme là. Oh, pas d'attaque après roulade? Ah si, c'est juste une attaque gauche-droite au lieu de droite-gauche. Un peu naze. Et alors? Eh! Moi je fais ça sur une plus large zone, du coup, Bon, en même temps, ce serait dommage que la première arme qu'on trouve soit meilleure que l'arme du boss de fin, mais... Bien, je viens d'où? Je viens de là. On va à droite. Monsieur, dame. D'où t'as pas été touché, toi? Ok. Ouh, il y a un arme là-bas. On va voir avant de grimper là. Allez, on va voir avant de grimper là. C'est parti, c'est parti. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à des douets. C'est des vignes ou c'est des tombes? Oh. Ah, j'ai été envahi. Ah bah t'es là. Coucou. C'est moi qui devais faire ça, c'est moi qui devais faire ça. C'est trop de la triche. Ah, j'en ai plus. Hein? Que fais-tu? Ouah, saleté. Ah oh. Là, tranquille. Ah, saleté. Eh bien, mon autre coup. Ah, j'avais plus d'endu. Ah ouais. Ah non. Ah non, non, non. Ah, mauvaise idée. Bef. Bef. Ah, vas-y, vas-y. Fais gaffe à sa portée. Hein, qu'il a une bonne allonge avec son truc. Hein. Ok, nickel. T'es passé dedans, coquin. Hein. Relou ton machin. Comme les petits cristaux des mages là. Qui planent. Ah, attends, on a plus. Qu'est-ce que tu es? Un signe de croisade, c'est un talisman. Qui c'est? Là! Puissance d'attaque après avoir vaincu un ennemi. Talisman représentant une lance dressée devant un mur de flammes et symbolisant les vies sacrifiées lors de la Sainte Croisade. Pardon, menée par Mesmer. Augmente la puissance d'attaque après avoir vaincu un ennemi. Les guerriers qui participèrent à la croisade délaissèrent toute notion d'honneur et de merci, préférant se consacrer au massacre effréné de tous les êtres jugés impurs. Super. Ceux qui éprouvaient de l'exaltation en entendant résonner les hurlements d'agonie étaient également les plus fervents défenseurs du caractère sacré de cette campagne. Génial, une croisade, quoi. Et ben, on est content. Des fanatiques. Y a rien. C'est quoi assez? Bon, donc on est rentré à ma gauche, a priori... Est-ce qu'on peut aller là? Tout à fait. On va d'abord aller choper ce qu'il y a là-bas. On tue les fanatiques. Et
Alors attends, parce que si là on est en train d'aller à Mesmer en faisant cette zone, je suis pas sûr d'être prêt, quoi. C'est quand même le gros boss qui était montré dans la bande-annonce. Je suis pas prêt pour ça, moi. Cri de désespoir. Même les chiens, ils ont plein de cornes. Ce que j'arrive pas à capter, c'est que les trucs avec des cornes, normalement, c'était les réprouvés. Et ce que j'arrive pas à comprendre dans l'histoire du jeu, du coup, c'est les réprouvés, ils viennent d'ici? Ou ça n'a rien à voir? Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Pas grave. Bah du coup, c'est tout. Ah ouais? Ah ouais. Bon bah, ok. On retourne par là, là. On grimpe ici donc, on avait dit. Yeha. Ah. Et pas vu qu'il y a un trou. Hop. Hop. Attends, il y a un petit truc blanc. Voilà, ça veut dire que l'ennemi a laissé tomber un truc. Homme farfouille, homme farfouille. Ah ah. Juste pour le plaisir. J'allais le dire, j'allais le dire. Juju, fais gaffe, tu sais que tu avances quand tu fais cette compétence. Ah, j'en ai perdu ma manette. Au secours. Oh là 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 là. C'était sûr, c'était sûr. J'ai vu le perso commencer à monter, je me suis dit, après il avance. Ah, après il avance. Ah là 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 là. Je disais, on est à un autre endroit. Non, mais c'est juste qu'il fait jour, quoi. Très bien. T'as pas enchaîné cette fois. Ah, c'est après cette attaque là que t'as enchaîné comme un ouf. La dernière. Et. Paf. Oh non. Bon, ça va, bon, juste. C'était vexant, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai tué l'ennemi. Ah bah, du coup. Ah, je l'ai même pas tué, quoi. Trop vexant. Je t'avais vu toi tout à l'heure. Même ta peur du coup. Ah oui, alors pour ceux qui se demandent, évidemment je joue hors ligne. Hein, j'ai jamais joué en ligne à Elden Ring. Sauf avec Nico, bien sûr. Mais je veux dire, on jouait en coop sans invasion, sans machin comme ça. C'est vraiment un versant du jeu qui ne m'a jamais attiré dans les jeux. From Soft. Les petits messages par terre, les invasions par les trolls, c'est pas pour moi quoi. C'est quoi ça? Mince. Burke? Qui dit Burke? Moi je vote. Et je dis Burke. C'est des grosses mouches. D'où il a visé à droite? Il est con quoi. Ah, je suis sûr que je peux le toucher. Ah. Ah. Voilà, à mort les mouches. Ça, c'est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Eh. Corne. Corne.
comment ça corde. Tu veux que je me pende? Non, c'est pour faire des pots à cordes. C'est ça, le genre de truc que j'ai jamais fait. Ah, c'est ça. Très bien. Du coup, on n'a pas trop vu à quoi servait ça. Pour l'instant. Allez, recette d'artisanat, c'est vraiment pareil, un aspect du jeu qui m'a jamais trop attiré. Je suis pas là pour jouer à Minecraft. Ok, on grimpe. Une clé. Ok. Donc je sais. Il y avait un petit objet ici, merci. On s'en fiche. Ouais, il y a un truc là-haut. Ah ah. L'explorateur. Ok. Ah ouais. Clé des profondeurs du puits, ok. Peut-être pour la grille qu'il y avait tout à l'heure. Je te vois, toi. Le fait que tu baves des flammes bleues me fait dire que tu dois mourir. Voilà. c'est où ça? Oui, on sait où c'est ça. J'ai pas envie de descendre là, du coup. C'est pas mon arrêt, je descends pas là. Hop. Et... ouais, mais du coup, on va là. On reprend cette échelle. Tranquille. Hop. Il y a des escaliers partout et en plus c'est tout cassé, du coup c'est dur de savoir. C'est quoi ce bruit? Pourquoi boum boum boum? Ah, le retour. Ah, mais pourquoi il y en a 50 en plus? Après, est-ce qu'on préfère quand il y en a 50 petits ou un gros? Ah, oh, franchement, je sais pas. Franchement, il y a match. Ah, là, bah voilà. J'allais dire, là, il va y en avoir un gros, c'était sûr. Pouette. Ah, un très gros, du coup. C'est mort, je veux pas voir ce que tu sais faire. Ah, non, 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 non. Mince. Attends. C'est pas de la triche si c'est prévu par le jeu. Mince, ils avaient qu'à le faire moins gros pour le coup. Tiens, voilà. T'apprendras. On n'a pas un corps plus gros qui va tomber dessus. Ah. Attends, fais le tour, ça se trouve, il y en a un au-dessus de ta tête. Ils sont vicieux, on le sait. Ok, ça va. On y va, là. Un arc. Ok. Donc ouais, on avait les gardiens de la tour. Bah ça doit être la tour, du coup. Donc ça doit être le bon chemin. Est-ce qu'on veut faire ça maintenant? Je sais pas, on peut explorer encore un peu. Genre par là. Oh, un ascenseur. Ah, petit raccourci. Ouais, je veux bien, comme ça on retourne au début, on ouvre les portes qui étaient verrouillées avec des clés. On explore, on aime bien. Yes, je sais d'où qu'on est. Mince.
question, c'est qu'est-ce qu'on peut ouvrir avec nos clés? Donc ça, je crois pas que c'était un fermé de ce côté, c'était un verrouillé. Donc ça, on peut l'ouvrir. Ah bah non, justement. Crotte. Ah. Il s'est gouré le bouton. Et le puits, c'était où le puits? Ah, c'était là. À droite. Où est-ce qu'on a vu ces verrouillés? Ah là là, ma mémoire. Bah ici, je suis quasi certain. Et sinon... Sinon, je ne sais plus. Hey ! Mais tu m'as suivi, toi ? C'est pas sympa. Yeah ! Alors, qu'est-ce qu'on a dans les égouts ? Un truc affreux, un truc affreux, un truc affreux ! Ah, un marais de poison. On aime ça. Oh. Oh. Oh, ça va être pas cool. Ah, on le sait. Ah, on le sait qu'il y a un truc qui va sortir au milieu. Puis pas joli, quoi. Hein? Ah bon, ça va, c'est les mouches. Ça va. Je crois que j'ai... Flamme, purifie-moi, ça protège le poison. Enfin, ça enlève le poison. Hey. Pourquoi vous faites des bruits d'humains, vous? Ah... Hein. Bon bah écoute, je retire ce que j'ai dit. Ça va pas être un gros boss de poison au milieu de l'arène de poison, c'est juste des petits mobs pourris. Ok. Ça me va. Ça me fait tellement penser au bastion, à tout moment il va y avoir le machin qu'on déteste. Genre là. Genre là. J'attends son cri à tout instant. Non? Bah, on est presque déçus, non? Oh. Ok, ok, on peut pas, on peut pas. Oh. Je crois qu'ils t'ont même mis des trucs pour pouvoir sauter. Ça, c'est gentil. Hein. Ah, peut-être pas. Si! Ils sont sympas chez FromSoft. Presque trop sympas, là. Où sont donc les petites puteries? Il n'y en aura pas, il n'y aura que des grosses. Bzz. Schlag. Ok. Bah elle est où? Ah! T'as ramené des copains. Bien. Qui c'est qui fait... Ah, ça vomit. Des vers. Ah. Berk. Berk. Ah, ah, ah! Alors. Test. 1, 2, 1, 2, test. Bah, monsieur, faut bouger un moment! Non, mais. Le truc est plus stoïque qu'un garde de Buckingham, quoi, c'est pas possible. Ok. Et bah. Il aura joué son rôle jusqu'à la fin. Il n'a pas bougé. Très bien. Désolé, je me sens un peu bête de l'avoir tué du coup. C'était peut-être un pote. Hein. Ah, mais arrêtez, d'où vous venez? Arrêtez! Ah, il y en a un qui est collé sur moi. Il y a son cadavre qui... Oh, je cours. C'est cracra. Oh, y a rien dans ce petit coin, quoi, d'accord. Comment que je suis déçu.
Bon. Oh. Ouais, la foudre va pas très loin. Faut pas abuser des bonnes choses. Je comprends pas trop l'utilité de cette zone. On sait que Miyazaki il a un kink, alors voilà, c'est chacun son truc, hein, chacun ses préférences sur tous les plans. On sait qu'il a un problème avec les marées empoisonnées, y a pas de souci, mais. Franchement, pour un marais empoisonné de FromSoft, c'est mignonné, quoi. On a connu plus affreux. Dans le jeu de base, tu traverses une zone où t'as la malédiction de la putréfaction écarlate, là, en 5 secondes. Là, on peut se balader dans le poison pépère. Les ennemis sont pas méchants, y a pas de... De gros ennemis qui sortent par surprise. Même par rapport au Bastion, qui est à peu près l'équivalent de cette zone, quoi. Bastion est beaucoup plus relou à traverser. Après, c'est pas une mauvaise chose que ce soit pas relou, mais du coup, je... On s'ennuie un peu, non? C'est... On se balade, quoi. Vraiment, là c'est promenade, hein. Le début, de temps en temps, il y avait un gros machin, on est tombé sur le petit boss dans la sépulture, on est tombé sur le géant de feu. Et là, dans ce château, pour l'instant, si j'avais pas de problème avec les trucs contre de pattes, on aurait pas frémi, quoi. Du coup, je me dis, il va y avoir des petits secrets très très cachés, mais ah, rien. Peut-être que je cherche pas assez. Il y a eu l'envahisseur à l'arbre là tout à l'heure, ok, mais c'est tout. Hein. Il y a cette grande zone vide là. On se dit qu'il y a un truc qui va sortir ici, non? Ah, on peut invoquer un pote en plus. Ouais, non, mais d'accord. D'accord, voilà, bah, c'est pour ça. Il était là le truc. Tout va bien. Ok. C'est parce qu'il était là. La difficulté en fait elle était au début, je l'ai contourné. Très bien. C'est quand même Zarbi. Ah, je suis sorti de la zone où je peux invoquer. Quelle patate. Je suis empoisonné, c'est pas très grave. Pourquoi? J'ai fait nimp avec mes fioles. J'ai bu le truc qui me donne des points de mana infini, mais je l'ai pas utilisé correctement. Du coup, j'ai pas invoqué Tish. Du coup, j'ai pas pu faire le reste. Ah, j'ai plus de fioles bleues, mais c'est ça le problème, c'est pour ça que j'arrive pas à faire ce que je veux. Très bien. Tu viens de le faire, ça. Petit spammer, là. Ok, bon. Bouge pas, je reviens. Bouge pas, bébé, hein. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas, j'arrive. Faut qu'on retrouve le chemin quand même. Excusez-moi, pardon, je ne fais que passer. C'est qui par là? Il y a le mec à gauche, on s'en fiche. Puis par là. Ah, mais non, attends! On était dans les égouts là! Ah, je me suis trompé! Faut que je retourne au début. Je pourrais prendre le chemin de l'ascenseur, mais je pense pas que ce soit plus rapide. Ah, Juju, tu peux te TP dans le jeu en fait. Au fait. Ah bah du coup je peux plus me téléporter parce qu'il y a des méchants, c'est ça. Voilà. Fichez-moi la paix. On avait vu cette petite porte à gauche. Ça me dit rien, ça. Ah mais si. Ça me disait rien parce qu'il y avait plus ces mecs parce qu'on les avait tués il y a 200 ans à peu près. Très bien. Alors. Du coup, on va là.
C'est en bas, ça. En bas, on y va, on descend le... On descend le puits. Ok. Très bien. Pardon, le monsieur était un peu confus dans son exploration. On en était à... On arrête d'avancer, on va ouvrir la porte avec la clé. Ah, faut que je te tue, toi, sinon tu nous suis après. Ah. Oui, il y a eux aussi. Ah, trop court. Je m'attendais à ce qu'ils continuent d'avancer. Coquinou, là. Paf, paf. Ok. Hop. Salut à ceux qui arrivent encore. On va se faire un petit dragon de la putréfaction. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je suis pas sûr d'avoir vu son nom d'ailleurs. Il n'y a pas de nom, je crois. Et donc c'était là. Ah, c'est de l'autre côté de cette petite tour. Ok. Donc ouais, tout ce qui est à droite du coup, c'est vu. Donc on a juste ça à faire et après on se casse. Ok. Faut que tu ailles voir les 2 heures du début du DLC. Et eh ben, si tu veux. A plus. Elles sont où mes runas? Ah, dès qu'on la voit, on l'appelle. Et on y va. Et on va prendre l'épée de Ricard parce que le feu ça doit pas aimer ça. Voilà. Ah mais arrête de me manger. C'est les mêmes attaques que d'habitude, très bien. La réaction face au scorpion araignée dégueulasse. Ah bah oui, bah oui, j'ai réagi, ouais. Tu t'en doutes bien. Allez, Tiché, vas-y, hein. Moi, je fais des trucs. Deux mecs qui à la fois. Oups. Elle me suis fait manger. Ça nous tue pas. Par contre, ça nous met dans le coin. Bah, alors, debout. Bois. Merci. Merci, Tiché. Terminé. Corte diminue. Corne d'immunité plus 2. C'est-à-dire. J'ai pas vu ce que c'était comme type d'objet. Je suis pas assez attentif. Je dirais bien que c'est un truc comme ça. Et. L'immunité. C'est pour le poison, ça. Sort de cérémonie portée par les Kérastiens. Augmente énormément l'immunité, résistance au poison et à la pétrification écarlate. Aux yeux des Kérastiens, les cornes sont de sublimes artefacts, prouvant leur caractère de peuple élu. Seul le bourgeonnement répété de jeunes cornes permet de façonner une corne enchevêtrée, considérée comme un symbole de suprématie irréfutable. Du coup, les Kérastiens et les réprouvés, c'est... Ses copains, ça n'a rien à voir, je sais pas. Je dirais bien que les Kérastiens, c'est le peuple d'ici. Parce que tout le monde a l'air d'avoir des cornes, mais bon. Kérastien se tenir. Non. Nul. Ah bah je crois que j'ai fait ce que j'avais à faire ici. On est peut-être content. Eh. Et alors l'autre clé, je sais plus. Ah si, bah si. Là où il y avait mes deux mecs sur le balcon, non? C'était pas verrouillé ici peut-être. Poète. Non. Il a quand même le temps de tirer. Vilain pas beau. Yeah! Il a ouvert la réserve. Il y a des bruits. C'est quoi les bruits? Hein? Hein? Pourquoi il fait super noir d'un coup? C'est un peu flou entre les Kérastiens, les Empyréens et les autres machins. Bah les Empyréens c'est les dieux quoi. Mais non, je suis pas un sbire de Mesfer, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu
tu racontes? Bon, pardon. Mesmer et son peuple, ils sont venus tout défoncer. Ah, des preuves, je suppose que c'est Marika. Bête divine. D'accord. Qu'a-t-on gangréné? Ok. Je fais quoi? Je te tue? Il y a sûrement quelqu'un qui va me demander de te tuer, a priori. Jolie, jolie tête. L'histoire, c'est... Il y a plein de dieux, les demi-frères, demi-sœurs. Bah oui, c'est ça. Il y a eu... Les enfants des dieux originaux se partagent le monde, quoi. C'est la guerre, c'est l'intro de Elden Ring, quoi. Finalement, tout est déjà dit. Radagon fait des gosses. Arenala, puis après il devient consort de Marika, et puis voilà quoi. Du coup, il règne. Coquinou! Ah! Tu m'as raté. Donc, par là. C'était par là qu'il nous restait des trucs à explorer. On a utilisé nos deux clés. On n'a plus d'endroit inexploré par ici. Ah, pardon. Et donc on avance. On prend l'échelle. On en est là. Ah, vilain. Accessoirement, nous on est devenu le consort de Rani, quoi. Dans ma fin. A priori. Là-bas, c'était l'enfer des scorpions avec la tour. Ah, non, c'est un bout de la tour, ça. J'ai pas très envie d'y retourner immédiatement. Ah, vous. Six morts, c'est plutôt pas mal, dont 3 sur le premier boss dans sa petite crypte, là. C'était ridicule. C'est vraiment le moment de chauffe. Au fait, est-ce que je sais encore jouer au jeu? Bof. Ah ouais. Clairement, il est là pour ça, de toute façon, ce boss, je pense. Allez, où? Dégage, toi. Je crois que ça le tue pas, ça, mais bon. De toute façon, maintenant, il est en bas, il peut pas remonter, je crois. Ah! Oh, ça va. Ah non, ah non, arrête. Écoute, tu saoules. Ah bah, t'as qu'à descendre tout seul, Sam. Attends que tu me lâches les basques. J'ai pas besoin de te tuer, en fait. Ce n'est pas un besoin très prégnant chez moi de tuer cet oiseau. Sauf s'il revient. Ok, très bien. Ne te tue que parce que tu me casses les douilles, hein. À la base, moi, je suis un gentil, quoi. Qu'est-ce que tu fais avec ton petit pot, toi? T'es qui? Ah. Cendre spirituelle vénérée, comme ça. T'étais une sorte de lézard. T'es comme le petit lézard. Sauf que t'es un mec avec un pot sur la tête qui court à 2 à l'heure. Non. Ouah, il a pas moufté! C'est quoi ce ouf? Aou. Aou. C'est bon, c'est à moi. Bref. Eh, j'ai toute son armure, je crois.
Tape d'abord, on pose des questions après. Ah, il manque les gantelets pour le chevalier cornu, je crois. Sinon, j'ai tout. Alors, j'ai trop de, j'ai trop d'armure. Ah, c'est bien, c'est là. Ça va, j'ai pas eu mis trop de temps à la chercher. Ok. Si on chopait une grande épée courbe qui est basée sur la foi, moi je suis pas contre, hein, faire un petit cosplay de chevalier cornu, hein. On n'est pas obligé de rester maliquette pendant toute la partie. Après, je la trouve quand même très classe cette armure. Non, j'avais pas vu que t'étais un gros. Je pensais que t'étais un petit comme ça que je tue en un coup de R1. Non. Je pense que le DLC fait un bon d'être une expérience tout aussi côté défi. Tout aussi doté de défis que la trame principale, voire plus. Très moisi de ma part d'être allé dans le royaume des ombres juste après Radahn et Mog au niveau 77. Bah après, avec leur histoire de. Des skis là, je sais pas à quel point ça aplatit l'influence des niveaux et des stats. Il doit y avoir un minimum à partir duquel quand même tu... Tout le monde a une expérience assez similaire. Mais... Yeah. Petite cendre du coup, c'est ça? Mince. Ah bah je vais retrouver mes scorpions là. Bah oui. Ok. Ah bah écoute, hein, si on se les... Ah bah de toute façon on pouvait pas monter les escaliers. C'est ça? C'était cassé. D'accord. Ah non, pardon. Coucou. Faut que je pense à me faire un bravo après les boss quand même. Je sais plus où j'en suis d'exploration, on n'a qu'à monter la tour. J'ai dû rater des trucs. Ah, il y avait la zone avec les mouches en bas. Qu'est-ce que... Ah, on te connaît. Tu m'as un peu violenté au début du... DLC. J'ai plus l'endu, faut que je me casse. Cours, cours, cours. Ouah, tu lances des dagues avec tes pieds, t'es un peu trop classe toi, non? Je voulais faire l'équivalent de la scène Indiana Jones où le mec fait le fou avec son sabre et il sort son flingue pour faire paf. Voilà. T'es classe, mais moi j'ai des grosses épées. Et la foudre des dragons aussi. Du coup... XP fait quand même sacrément la diff. Attention au divulgachi, hein, parce que je vois que ça me parle un peu mécanique, mais... 30 millions de PV de dégâts, c'est quand même grave avec la quantité en tête de runes. Ouais, bah. Enfin, je suis arrivé dans le DLC, j'avais 2 millions de runes, donc je savais pas quoi faire. J'ai mis, je sais plus, 5 points de dex. Voilà. Mais, j'en suis là, tu vois. Je ne sais pas quoi faire avec mes stats, quoi. Est-ce qu'on reviendrait pas un peu en arrière? Ça me saoule qu'il n'y ait pas un raccourci pour revenir ici plus facilement, donc on va avancer. Ah, je peux invoquer quelqu'un, c'est qui? Freya. Ah bah bien sûr. Ça sent le boss. Est-ce qu'on est prêt? On a 6 fioles. Ouais, on va dire qu'on est prêt. Ok. Oh, c'est le lion. Ah, c'était ça la tête qu'on avait en bas, c'était un petit lion-lion avec des cornes. Il est trop beau. Il est... Des quelques instants qu'on a vu de lui dans la bande-annonce, il est juste affreux sur ses mouvements, ça a l'air tout flottant et tout, ça va être l'enfer à lire, mais il est trop mimi. Et là, entre un lion et l'espèce de dragon du nouvel an chinois là, qui bouge comme ça, là...
bien, bien. Il essaie de ranger vaguement ses bouclettes. J'aime pas tes yeux. T'es flippant. Alors. Ok, t'as beaucoup trop de PV. Toujours le petit test au début. Hein. On va se mettre notre pote qui enlève des PV du coup. Hein. Ah oui, alors si vous attendez des espèces de super play où j'invoque rien, non mais rien, jamais. Moi, je vais utiliser les outils que nous donne le jeu, hein. Pas moyen. Ah, ça se voit que c'est une charge. Ah, bah tu t'es planté par terre. Pourquoi? D'accord. Ouh. Ah, j'attendais à ce que ça fasse une altération d'état, mais ça va. Attends la phase 2 hein. Ouh, ouais tu tapes quand même hein. Oh là là, ces animations, il y a la tête qui tourne et tout, c'est fou mais c'est le bordel à lire. Laisse un peu tes... Ah, ah bah voilà. Et Freya, elle a une défense de ouf, elle s'est faite bouffer, sa barre de vie a à peine bougé. Hein. Ok. Ok. Waouh. Quel bazar. Alors, en plus, avec les deux invokes qu'on s'est mis là, c'est impossible de savoir ce que Kid Boss tape et ce qu'il fait. Hein. Franchement. Oh, mais il fait tout. Il fait le vent, il fait la glace, il fait la foudre. Il fait le café. La spi. Ah, moi je fais la foudre. Hein. Je crois que c'est ma compétence qui fait le plus de dégâts pour le moins de points possible. Wouh, petite tornade. Aouh. Est-ce que je me soigne? J'ai plus de 4 fioles. On va essayer de tenir comme ça. Ah ok, hop là. Bonne lecture. On court, on court, on court, on court, ça passe. Ok, très bien. Petite onde dorée. C'est pas interdit. Fais gaffe à ton envie quand tu fais des compétences. Petite onde dorée. Mange pas de pain. Enfin, il change de phase. Et. Ok, j'aurais pas dû invoquer cette fois-ci. Oh, on peut mettre son casque. Il est où, il est où? Ah, il est super méga lourd. Couvre-chef représentant la tête d'une bête divine capable d'effectuer la danse du lion, mais si elle fut portée par les plus illustres colosses, elle ne répond plus aux prières explorées de la vieille femme. C'est qui cause, ouais? Salut, May. On sait pas. L'invocation divine amplifie la puissance des tempêtes de son porteur, ainsi que sa force, sa dextérité, mais diminue les fioles sacrées. C'est 4 et 4 de dext et de force. Par contre, ça baisse la focalisation aussi. Et la focalisation, ça sert à... Sommeil à la démence. Eh. Ok, c'est quand même trop cool. Hein. Vas-y, on le met juste pour voir. Mais... Triple bus. Cette gueule de ouf. Mince, elle est où l'armure de tout à l'heure? Du coup, j'ai pas encore les gantelets du chevalier cornu. Ouais. Parce qu'ils sont théoriquement à côté du chevalier numéro. Ouais, je les ai pas du coup.
Il va y avoir des trucs bien classe dans ce DLC, mais bon, pour l'instant, on va mettre des trucs où on n'est pas lourd, parce que, en fait, bah, sinon, on ne peut pas jouer. Enfin, on peut jouer, mais c'est juste extrêmement pénible. Et l'armure de Maïkette en termes poids-résistance, c'est quand même pas mal. Alors, je m'étais amusé à un moment à calculer le rapport poids-défense et tout, de pas mal d'armure, pour me dire c'est celle-là qu'il faut mettre. Je sais plus si c'était dans le Let's Play ou après, c'était peut-être après, mais très honnêtement, je ne sais plus. Donc j'ai juste remis celle qu'on avait au moment du let's play parce qu'elle est trop classe et c'est tout. Bien. C'est le même arbre que celui qu'on voyait au début? Il avait l'air tout cramé celui qu'on voyait, je suis pas sûr que c'est le même. La tour de saumon à Limgrave. Limgrave. En français, c'était Limgrave aussi? La zone de départ? Non. Si? J'ai un doute. Et... j'ai pas ce qu'il faut. J'ai essayé au cas où. Bien. Je peux même prendre un petit niveau si je veux. On lit. Et du coup, bah, on va finir l'explo. Hein. Par contre, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, quoi? On a buté ça, mais ça m'a donné quoi, au final? Attends. Juju, tu viens d'avoir un casque et... et c'est tout? Mais non. On a chopé autre chose, non? Ça, on les a déjà utilisés. Ah, c'est vrai que quand on fait un new game, on garde pas les runes majeures et du coup, je les ai pas refaites. C'est un peu ballot, j'aurais pu. C'est Nécrolimbe, voilà, merci. Je cherchais depuis tout à l'heure, depuis qu'on a commencé ce let's play. Est-ce que c'est Nécrolimbe? Et bah... on s'est fait un boss pour rien? J'ai dû rater un truc. Ah, tout va bien. Ah, tout va bien. On continue notre ascension. Pardon. Excusez-moi. Ah, une grosse porte. Tout va bien. En plus, je l'ai vu ce truc et... pourquoi j'y suis pas allé? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah. On avance. Ça va être un bon moment pour finir cet épisode, me reprendre une petite gourde d'eau, un petit café. Waouh, c'est joli! Petite boule de flipper pour nous éclater sur cet escalier, non? On la sent venir. Hein. Je suis sûr qu'il va falloir tomber là, non? Non. Attends, mais... on va y aller là-bas? Attends, je suis en train de regarder quoi? Je suis en train de regarder ça, ouais, on va complètement aller là-bas. Je suis en train de regarder ce château. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on a fait comme chemin. On a pris la grande porte qu'il y avait là. On a été ici. On a fait tout ça. Mais, si je me rappelle de la carte des croix... il y avait ça, il y avait un pont, il y avait ça, il y avait l'espèce de tunnel. Donc elles sont là-bas, les trois croix qui nous fallait. Ok. Et l'autre, il voulait qu'on en trouve 6, ça nous en fera... non, ça nous en fera 4. Parce que celle-là, on l'a déjà. Ok. Et ça... c'est quoi ça? On n'a pas été là encore. C'est là qu'on va, très bien.
Tout va bien, c'est bon, en avant. Oh, notre tour dissimulé dans l'ombre. Oh, il bosse ce spirale perso. Ah, tu m'ennuies. Pardon. Et sous le lac, j'aime bien me dire que tout ce que je vois, je peux l'explorer. C'est souvent le cas. C'est toujours le cas. Bah, franchement, on sait qu'on va aller là-bas. Parce qu'on le voit sur la carte. Et ça, c'est vraiment assez enthousiasmant, je dois avouer. Ça a l'air grand. Regarde, on voit même plus de là où on vient, tellement on est haut. Trop bien. Message de la Tour des Ombres. Message laissé par les dames chevaleresses de l'aiguille. Hollow Knight. Et adressé à ceux qui, comme elle, marchent dans les pas de Mikaela. Le portail divin se trouve dans la tour scellée par les ombres. C'est certainement la direction que prend le bienveillant Mikaela. Nous ne sommes pas des empyriens, mais nous devons trouver le chemin qui nous donne courage. Je suivrai les croix à l'est. Ah, ça y est, donc là, on va me dire, c'est mort, tu peux proposer. Va explorer ailleurs. C'est un peu dégueulasse, ces trucs noirs. Et par dégueulasse, je veux dire, c'est laid, enfin, c'est mal fait, quoi. L'aspect de flou transparent, là, c'est juste pas beau, quoi. Occulté par les ombres. D'accord. Ta princesse est dans un autre château. Donc on est venu là trop tôt? Oh. Bon. Et bah. Au moins on sait pourquoi on est venu là. Sauf qu'en fait, bah, c'était pas là qu'il fallait aller. C'était là plus tard. Et là, se réveille en moi le Juju qui râlait sur. Mali non, sur mince, comment il s'appelle? Ah! Le premier éprouvé qu'on combat là, comment il s'appelle? Margit! En mode, ah ben voilà, on te fait croire que tu peux aller où tu veux, puis en fait, non, du coup, t'es obligé d'avoir grindé, d'avoir exploré ailleurs avant de venir ici, et blablabla. Et bah pareil, on te fait croire que c'est un monde ouvert, que tu peux aller où tu veux. Va à droite, on te dit. On t'a dit, va à droite. On t'a dit, va à droite, donc va à droite. Oh, mais... Moi, vous me faites croire que je peux aller où je veux, et après, vous me dites, faut aller à droite. C'est pas du juste. Un monde immense, que chacun explorera différemment. C'est par là. On te dit, c'est par là, va pas ailleurs. Ouh, aïe, 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 aïe. Ah, ils se sont boostés les coquins, ça picote. Non, non, non. Non, 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 vous dis-je. On est allé là? Je sais plus. Je crois pas. Tombe. Ah! Il est drôle de bruit. Les mouches. Très bien. Jeu est grand, va explorer tranquillement, tu pourras venir plus tard, mais si tu veux te casser les dents, essaye. Ouais. Et là, pour le coup, le jeu me dit, non, c'est pas par là. Il pourrait me laisser y aller et me faire défoncer, tu vois. En mode, ah, bah non, mais reviens quand t'auras plus d'esquis de l'arbre obscur. Espèce de naze. Et après je râlerai parce que ah bah voilà, on me laisse y aller mais je peux pas y aller. C'est vrai que ça te laisserait un peu plus de liberté. C'est étonnant. C'est vrai que même dans le jeu de base, il y a peu d'endroits comme ça qui te bloquent finalement. Tu te fais bloquer parce que t'arrives pas à passer, surtout quand tu découvres le jeu et que tu sais pas jouer. Mais tu peux y aller quand même. Donc tu vois par exemple mes râleries sur Margit, c'était... C'est vraiment pour râler parce que j'étais frustré, quoi. Clairement, non, on peut très bien passer Margit avec... Ah, ça tape trop loin. Avec ce qu'on a au départ, c'est pas... C'est pénible, mais c'est pas non plus affreux, quoi. Mais voilà, après, t'as l'arbre monde bloqué par les ronces, c'est le moment où on dit... Ah, 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 ah. On a encore des trucs pour toi. Ça, c'était un petit côté sympa de... Tu crois que c'est la fin? Non, 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 il en reste un bon bout.
Non, c'est un bon gros bout, vas-y. Continue de te balader, quoi. Tu sais pas... Tu sais, du coup, comme tu vois pas du tout le reste de ce qu'il y a après, toute la zone de neige et tout, tu vois, autant l'arbre monte, c'est un peu ton objectif depuis le début du jeu, et le fait d'y arriver et qu'on dise « C'est pas fini, mec. » Et puis t'en as encore pour un moment. C'était quelque part assez cool, quoi. C'était, bah, c'était, du coup, c'était le seul goulot d'étranglement sur la progression. Mais ça avait un côté assez cool. Petite surprise, au fait, non. Non. On en a encore sous le pied, t'inquiète. Mais le reste, tu vois, même l'accès au plateau Altus, il y a la petite route alternative par les mines, quoi. Avec le dragon au bout, là. Ce qui était quand même assez cool. Oui, et avec en plus, dans les zones supplémentaires, des zones optionnelles avec les plus gros boss du jeu. Enfin, c'était quand même... Et avec ce petit côté, si t'as un peu exploré, tu t'es téléporté avant à Fort Amazula et depuis le début du jeu, t'es là, mais comment on y va? Mais où est-ce que c'est? Mais c'est, ça a l'air fantastique, cette zone! Oh, je crois qu'on a tout fait. Allez! Bah rebonjour. Est-ce que tu me dis des choses maintenant que j'ai combattu avec toi? Ah yes. Oh, c'est toi qui as tout fait, meuf. Hein. T'as clairement pris l'aggro. Sur son amour. Armure endommagée? Où est-ce qu'elle est endommagée? Ah le casque? Attends. Ah oui. Ah ça on connaît. Quoi, tu t'es fait soigner par l'aiguille d'or? Avec sa bouche. Pardon. D'accord. L'autre homme. Ah oui, celui qui était là. Le Carastien ont des cornes et c'est eux qui vivent dans la tour, dont le petit vieux qu'on a vu. You and I, even if we did manage to dig up the secrets of his past, I doubt our meddling could ever amount to much. D'accord. Let us both maybe meet again. Très bien. Et du coup, lui, il est... Non, il est encore là. Salut, t'as des trucs à me dire maintenant que j'ai vu un petit peu ta tour? Non, on suit Mickey là, donc on suit Mickey là, quoi. Donc c'est par là, quoi. Ok, et ben merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice joue à Elden Ring Shadow of the Erdtree. J'espère que ça t'a plu, je vous dis à très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien, ciao ciao.